Alléluia. Alléluia. Soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il est 45. 20h45. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Nous te bénissons, tendre Père. Nous te louons car tu es Dieu. Nous te magnifions car tu es le roi de gloire. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Petit problème de technique, on essaie d'arranger. On essaie d'arranger. Alléluia. Merci de me mettre en pause, que je puisse arranger quelque chose. Merci beaucoup. Merci de me mettre en pause. Alléluia. Merci de me mettre en pause. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. J'arrive. Deux petites minutes. Amen, amen, amen. Nous allons reprendre, excusez-moi. Shalom, 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 soyez bénis. Est-ce qu'on peut inviter des amis, s'il vous plaît? Si vous pouvez inviter. Je suis de retour aujourd'hui. Inviter des amis. Inviter, ça bug. Invitez. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Je pense que c'est mieux là. Soyez bénis. Alors, nous allons commencer notre live. Merci d'inviter. Invitez s'il vous plaît. Invitez des amis. Invitez, n'hésitez pas à inviter. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. C'est la technique, hein, excusez-moi. C'est la technique. Qu'on soit quand même un peu bien. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Alléluia. Dites-moi si la musique est trop forte, je vais baisser. Si la musique est trop forte, je vais baisser. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Alors, nous allons commencer. Ah là là, les techniques. Alors, shalom, shalom, shalom. Je ne vois pas trop qui j'ai en ligne. Si vous pouvez juste me dire un petit shalom, un petit coucou, que je puisse vous voir. Merci beaucoup. Que je puisse vous voir. Merci beaucoup. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Nous allons prier pour commencer. Alléluia. Oui, nous t'adorons, Seigneur, ce soir.
car tu es digne de louange. Nous t'adorons, Seigneur, ce soir, car tu es, Seigneur, le roi de gloire. Nous t'adorons ce soir, car tu es le souverain des rois, car tu es, Seigneur, oui, le possesseur de nos âmes. Nous te bénissons ce soir, Seigneur, car tu es l'auteur de nos vies. Alléluia. C'est toi qui nous donnes l'être et le mouvement. Seigneur, nous te bénissons, car sans toi, nous ne pouvons absolument rien faire. Seigneur, nous te louons, car sans toi, nous ne pouvons absolument, mais absolument rien faire. Raison pour laquelle, Seigneur, nous te disons de prendre la place maintenant. Saint-Esprit, prends la place. Que ce qui est de moi disparaisse, mais que toi, tu prennes toute la place. Saint-Esprit, bénis chaque personne qui s'est disposée à suivre ce live. Bénis chaque personne qui a laissé ses occupations pour me suivre à cet instant. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Prends la place, prends la place, prends la place. Nous disons rien de nous, mais tout de toi. Nous disons rien de nous, mais que tout soit de toi. Envoie les bonnes personnes qui doivent suivre ce live. Envoie les bonnes personnes qui doivent bénéficier de ce qui va être dit ce soir, afin que quelque chose de nouveau puisse être renouvelé en eux. Afin que là où ils étaient courbés, qu'ils soient redressés. Afin que là où c'était cassé, que cela puisse être, oui, restauré. Que là où il y avait des brèches, que cela puisse être bouché. Que toute la gloire te revienne, car tu es le Dieu de la restauration. Parle à un cœur ce soir, parle à une personne ce soir, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui, j'aimerais parler des bénéfices de la croix. Les bénéfices de la croix. Alléluia. Les bénéfices de la croix. Vous savez, beaucoup de personnes ne savent pas ce que la croix a fait pour eux. Beaucoup de personnes ne savent pas ce que Jésus a fait pour eux à la croix. Les bénéfices de la croix. Les bénéfices de la croix. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta croix. Alléluia. Nous parlons beaucoup de croix. Nous parlons beaucoup de Jésus qui est mort à la croix pour nous. Mais la plupart du temps, nous ne savons pas ce qu'il a fait exactement pour nous. Alléluia. Nous ne savons pas ce qu'il a fait exactement pour nous. C'est pourquoi tu peux demander à une personne, tu es chrétien, oui, pourquoi tu vas à l'église? Parce que Jésus m'a sauvé. Il va s'arrêter à « parce que Jésus m'a sauvé », mais il ne pourra pas aller loin dans ce que Jésus a réellement fait pour lui. Et la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. À cause du manque de connaissance, beaucoup de personnes sont en train de périr. À cause du manque de connaissance, beaucoup de personnes sont en train de mourir. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Alléluia. La connaissance. Merci Seigneur. Il suffit juste de baisser un peu ça. Juste de baisser un peu ça comme ça. Merci Seigneur. À cause du manque de connaissance. Alléluia. Bien-aimés, nous allons réfléchir sur la croix. Jésus-Christ est mort pour toi. Jésus-Christ est mort pour moi, pour que je puisse avoir la vie. Pour que toi et moi, nous puissions avoir la vie. Alléluia. Merci Seigneur, merci invité. Oh, shalom ma soeur Luna, shalom, shalom. Shalom, partage s'il te plaît. Partage s'il te plaît, sois béni. Alléluia. Sois béni ma soeur Luna. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. On est encore en train de régler un tout petit peu. Merci. Les bénéfices de la croix. Les bénéfices de la croix. Pourquoi tu es chrétien? Parce que le Seigneur m'a sauvé. Pourquoi tu vas à l'église? Parce qu'il m'a donné la vie. Mais on s'arrête là et on ne va pas dans les détails de ce que Jésus a fait pour nous sur la croix de Golgotha. La Bible nous dit dans Éphésiens 1 à partir du verset 3, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Bien-aimés, c'est en Christ que nous sommes bénis. En Christ Jésus.
Nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions. Et toutes ces bénédictions, nous les avons eues où? À la croix. À la croix de Golgotha. Amen. C'est à la croix que nous avons bénéficié de toutes ces bénédictions. Alléluia. Alléluia. J'aimerais dire à une personne ce soir. J'aimerais parler à une personne ce soir. Ta vie ne consiste pas à être une déception chronique. Chaque jour, chaque saison, tu as toujours des déceptions. Ta vie ne consiste pas à être une déception chronique. Alléluia. Tu n'es pas appelé à vivre une vie de frustration tout le temps. Tu es frustré. Tout le temps. Tu peux concevoir ou encore penser, avoir des projets, mais bizarrement, c'est comme si à chaque fois, il y a une frustration qui va venir. À chaque fois, il y a un échec qui va venir. Alléluia. J'aimerais te dire qu'en réalité, les tragédies ne doivent pas être la norme de ta vie. Alléluia. Peut-être que tu penses même des fois que tu n'es pas appelé à vivre une vie bénie. Tu n'es pas appelé à vivre une vie de bénédiction. J'ai rencontré des personnes qui m'ont dit que moi, c'est toujours comme ça. Moi, ma vie, de toute façon, je suis déjà habituée comme ça. Je suis habituée à vivre une vie de déception, à vivre une vie de frustration. Bien-aimé, non, tu n'es pas appelé à ça. Tu n'es pas appelé à ça. Alléluia. Alléluia. La croix de Jésus. Quels sont les bénéfices que la croix t'a apportés? À la croix, Jésus a fait ce qu'on appelle l'échange divin. L'échange divin, ce qui veut dire que lui, il a pris ta place, il a pris ma place. Ce qui nous condamnait, lui, il a pris cela à la croix de Golgotha. C'est pour cela qu'il a dit que tout est accompli. Tout est accompli pourquoi? Pour dire que ce que toi, le châtiment qui allait tomber sur toi, ne tombera plus sur toi. Parce que lui, il a déjà pris ta place. Alléluia, il a déjà pris ta place. Donc tu n'es plus appelé à vivre une vie d'échec, à vivre une vie de déception perpétuelle, à vivre une vie de frustration chronique, à vivre une vie de pleurs. Donc tout le temps, tu ne fais que pleurer. L'ennemi joue avec toi. L'ennemi joue avec toi, pourquoi? Parce que tu ne connais pas la vérité. Tu ne connais pas ta véritable identité en Christ. Il te laisse aller à l'église, mais il te laisse dans l'ignorance. Il te laisse aller à l'église, mais il prend bien soin que tu ne puisses pas connaître ta vraie identité. Parce qu'il sait que si tu connais ta vraie identité, si tu connais ce à quoi tu as été appelé, tu vas commencer à vivre dans ta liberté. Tu vas commencer à revendiquer tes droits. Tu vas commencer à marcher dans la liberté. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. La croix. Alléluia. Bien-aimé, tu dois savoir une chose. Que Jésus-Christ à la croix, il a été châtié. Il a été châtié pourquoi? Pour que toi et moi, nous soyons rachetés. Il nous a rachetés à la croix. Que personne ne vienne te condamner aujourd'hui. Que personne ne vienne te dire que ta vie ne va plus marcher. Que personne ne vienne te dire qu'il y a une réclamation sur toi. Parce que Jésus t'a racheté à la croix de Golgotha. Alléluia. À Golgotha, il a tout accompli. En réalité, même quand nous prions, quand nous disons « Seigneur, fais ci pour moi, Seigneur, fais ça pour moi », en réalité, c'est juste une manifestation que nous demandons de ce que Jésus a déjà fait au préalable à la croix. C'est juste une manifestation. La vraie prière serait « Seigneur, manifeste ce que tu m'as déjà donné à la croix. » Alléluia. Manifeste, Seigneur, ma guérison, que ma guérison soit manifestée. Parce qu'à la croix, il a déjà pris ta place. À la croix, il a pris ta maladie. Alléluia. À la croix, il a pris ta maladie. Alléluia. Merci Seigneur. Qu'est-ce que Jésus a fait pour toi encore? À la croix, il a connu la mort afin que tu puisses recevoir la vie divine. La vie divine qu'on appelle la vie Zoé. Alléluia. La vie Zoé. Ça veut dire qu'en toi, il y a la respiration de Christ. Si tu as la vie de Christ, ça veut dire que tu as la respiration de Christ. Alléluia. Et si tu as la respiration de Christ, ça veut tout simplement dire que la maladie n'a pas de place dans ta vie. Parce que ta respiration est la vie Zoé. Ta respiration est la vie divine. Alléluia. Donc tu as droit à jouir de la santé divine. Parce que Jésus a pris ta place à la croix de Golgotha. Il a connu la mort pour que tu puisses avoir ou pour que tu puisses recevoir la vie divine. Alléluia. Merci Seigneur.
Qu'est-ce qu'il a encore fait pour toi à la croix? Jésus à la croix a connu la séparation. La Bible dit qu'il a quitté son royaume de lumière pour venir dans les ténèbres, pour venir te chercher. Il s'est dépouillé pour toi. Alléluia. Il est venu, il a été séparé de Dieu pour que toi, tu ne sois plus jamais séparé de Dieu. Toi qui étais auparavant séparé de Dieu à cause du péché, Jésus-Christ s'est détaché, donc il s'est séparé de Dieu pour que toi, tu ne sois plus jamais séparé de Dieu. Pour que toi, tu puisses bénéficier de cette vie du royaume. Pour que tu puisses bénéficier de la vie divine. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Peut-être que tu penses que dans ta vie, il n'y a que la pauvreté. Dans ta vie, tu ne passes que des moments, c'est-à-dire les moments de réjouissance sont peut-être même minimes. Pourquoi? La pauvreté est tellement dans ta vie. À chaque fois que tu touches quelque chose, c'est comme si tes mains appauvrissent à chaque fois la chose. Tu commences une société, elle va aller en faillite. Tu reçois de l'argent, l'argent ne va pas rester, même pas 2 semaines. Pourquoi? La pauvreté. Mais Jésus-Christ à la croix s'est fait pauvre. Quand il est venu, il s'est fait pauvre. Alléluia. Pour que toi, tu sois enrichi. Pour que tu sois riche dans tous les domaines. Je dis bien dans tous les domaines. Alléluia. Dans tous les domaines. Il s'est fait pauvre pour que toi, tu sois enrichi. Pour que tu puisses être riche dans tous les domaines. Que ce soit dans les domaines physiques, que ce soit dans le domaine spirituel, dans tous les domaines, que tu puisses bénéficier de la richesse. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a encore fait? Quand il est venu sur la terre, il s'est dépouillé. Jésus s'est dépouillé pour nous. Alléluia. Il s'est dépouillé. Alléluia. Il s'est dépouillé pour que toi, tu sois revêtu. Pourquoi est-ce que tu es nu aujourd'hui? Pourquoi est-ce que tu dois faire des rêves où tu te vois nu? Pourquoi est-ce que tu dois faire des rêves où on vient te voler des choses? Et pourtant, Jésus-Christ a payé le prix pour toi à la croix de Golgotha. Il s'est dépouillé pour que toi, tu sois revêtu. Alléluia. Pour que toi, tu sois revêtu. Donc toi, tu ne dois plus être dépouillé aujourd'hui. Alléluia. Tu ne dois plus être dépouillé aujourd'hui. Alléluia. Merci Seigneur. Il s'est dépouillé pour nous. Quand tu connais ces vérités, l'ennemi ne va plus jouer avec toi. Quand tu connais ces vérités, tu ne te laisseras plus avoir par le diable. Quand tu connais ces vérités, l'ennemi ne viendra plus jouer avec toi. Parce que Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance. À cause du manque de connaissance, beaucoup sont en train de mourir, quoi qu'ils sont dans la foi ou dans l'église. À cause du manque de connaissance, beaucoup sont en train de tomber. Beaucoup vivent une vie difficile parce qu'ils ne connaissent pas leur identité en Christ. Alléluia. Le diable va te laisser danser. Le diable va te laisser faire toutes les activités. Mais il ne voudra pas que tu puisses connaître, que tu puisses avoir la connaissance. L'ennemi n'a pas un problème, le fait que tu ailles à l'église, ce n'est pas son problème. Mais il est dérangé quand toi, tu commences à connaître la vérité qui te libère. Quand toi, tu commences à connaître la vérité qui t'a franchi. Quand toi, tu commences à la connaître, là, il commence à se lever. Parce qu'il sait que si tu connais la vérité, tu seras réellement affranchi. Alléluia. Quand tu connais la vérité, ou si tu connais la vérité, tu seras réellement délivré. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. La croix de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus a encore fait pour toi? À la croix, Christ a été maudit. Parce que la Bible dit, maudit soit quiconque est pendu à la croix. Il a été maudit sur la croix pour que toi tu sois béni. Il a pris notre malédiction. Donc aujourd'hui, tu n'as plus à subir une malédiction quelconque. Tu n'as plus à subir une malédiction de ta famille. Tu n'as plus à subir une malédiction de n'importe quelle personne qui vient pour te dire « je te maudis ». Alléluia. D'ailleurs, la Bible dit que toute malédiction sans cause et sans effet. Alléluia. Toute malédiction sans cause est nulle et sans effet. Que personne ne vienne te maudire parce que Jésus a déjà été maudit à ta place.
Alléluia. Pour que toi, tu sois béni. Donc, tu dois jouir des bénédictions de Dieu aujourd'hui. Tu dois jouir de la vie de Dieu aujourd'hui. Tu dois jouir de la vie Zoé aujourd'hui. Tu dois jouir de la respiration divine aujourd'hui. Alléluia. Tu dois jouir de ça. La vie chrétienne n'est pas une vie chrétienne de découragement, de déception, de fatigue, donc où tu dois vivre absolument une vie de défaite ou d'échec. Non, non. Jésus-Christ a payé le prix pour nous à la croix. Alléluia. Pour que nous puissions jouir de nos bénédictions sur la terre. Pour que nous puissions jouir de nos vies sur la terre. Pour que nous puissions avoir une vie épanouie sur la terre. Alléluia. Une vie épanouie. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dans Galates 3:13, il est écrit: Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit: maudit est quiconque est pendu au bois. Maudit est quiconque est pendu au bois. Il a pris ta malédiction. Ma sœur, sois tranquille parce que Jésus a pris ta malédiction. Mon frère, sois tranquille parce que Jésus a pris ta malédiction. Nul ne peut te maudire encore aujourd'hui. Personne ne peut encore venir te maudire aujourd'hui parce qu'il a pris ta malédiction à la croix de Golgotha. Alléluia. Dans Galates 3:13. Alléluia. 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 Qu'est-ce que Jésus a encore fait? Alléluia. Il a été meurtri pour que tu sois guéri. Pour que toi, tu sois restauré. Pour que tu sois reconfiguré. Pour que tu sois changé. Pour que tu sois transformé. Alléluia. Il a été meurtri. Par ces meurtrissures, nous avons été guéris. C'est une réalité. C'est une vérité. Et tu dois l'imprégner dans ton esprit. Tu dois croire que Jésus-Christ a été meurtri à la croix pour que toi, tu puisses recevoir ta guérison. Ce qui veut dire que tu as le droit d'être guéri. Tu as le droit de jouir de la guérison aujourd'hui. Tu as le droit de jouir de ta guérison parce que Jésus a pris ta place. Jésus a pris ta place. Alléluia. 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 À la croix, il a dit: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia. Il a été abandonné à la croix pour que toi, tu sois accepté par Dieu. Pour que Dieu nous accepte. Jésus-Christ a été abandonné à la croix. C'est pour cela, mon ami, tu dois refuser tout sentiment de rejet aujourd'hui. Quand tu vois que quelqu'un te rejette, quand tu vois que ta famille te rejette, quand tu vois que les gens autour de toi te rejettent, ce n'est pas un problème. Parce que Dieu t'a déjà accepté. Jésus a déjà pris ta place. Il a déjà été rejeté une fois pour toi. Donc c'est bon. Alléluia. Tu as été accepté par Dieu. C'est le plus important. C'est le plus important. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a encore fait pour toi à la croix? À la croix, Jésus a connu la honte. Alléluia. Pour que toi, tu puisses connaître la gloire. Jésus a connu la honte à la croix. Pour que toi, tu puisses connaître la gloire. C'est pour cela que tu dois refuser absolument les sentiments de honte. N'aie pas honte de toi. N'aie pas honte de ton corps. N'aie pas honte de ton physique. N'aie pas honte de ta vie. Parce que Jésus, à la croix, a pris ta place. Il a connu la honte pour que toi, tu puisses bénéficier de la gloire. Pour que toi, tu puisses vivre la gloire. Pour que toi, tu puisses vivre dans la gloire. Alléluia. Et dans la splendeur. Donc refuse les sentiments que le diable peut te ramener, des sentiments de honte, des sentiments de honte sur ta condition, des sentiments de honte sur ta vie. Refuse cela dans le nom de Jésus. Parce qu'à la croix, il a déjà pris ta place. Ce que Jésus a déjà fait pour toi, tu n'as pas à le refaire. Il a déjà fait pour toi, donc tu n'as pas à avoir honte. Quand l'ennemi vient te donner, vient inspirer dans ton cœur des pensées de honte, quand il vient inspirer dans ton cœur des pensées de rejet, refuse cela dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. 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 Merci Seigneur. La Bible dit: regardons l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Alléluia. Christ a connu la honte pour que toi tu sois enrichi, pour que toi tu connaisses la gloire. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a encore fait pour toi à la croix? Jésus-Christ a été condamné à mort pour que toi tu sois justifié. Et c'est des vérités que tu dois connaître. C'est des vérités que nous devons connaître, bien-aimés. Si nous ne connaissons pas la vérité, nous allons rester dans la condamnation.
Tu vas commencer à vivre dans la condamnation et pourtant Jésus t'a déjà justifié à la croix de Golgotha. Peu importe ce que tu as fait, mais quand tu l'as accepté dans ton cœur, comme Seigneur et Sauveur, il t'a justifié. Alléluia. Il n'y a plus rien qui doit te condamner aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Il a pris ta condamnation à la croix pour que toi tu sois acquitté. Tu as déjà été acquitté. Il a pris ta condamnation, quel que soit ton passé. Ne marche plus avec le passé dans ta tête en te disant, moi j'ai fait ça, j'ai beaucoup avorté, j'ai fait du mal aux personnes qui étaient autour de moi, j'étais vraiment méchante. Non, mais il faut savoir aujourd'hui que Jésus t'a acquitté à la croix de Golgotha. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ a pris ta condamnation pour que toi tu sois acquitté et que tu sois déclaré non coupable. Aujourd'hui tu es non coupable par rapport à tout ce que tu as fait. Quand tu as accepté le Seigneur, tu as demandé pardon, tu t'es repenti de tes péchés, tu as été déclaré non coupable. Alléluia. La justice de Christ crie pour toi. La justice de Christ crie pour toi. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Mon ami, ta vie ne doit pas consister à être une succession de déceptions. C'est vrai que des fois, tu peux tomber sur des personnes qui à chaque fois t'emmènent à la déception. Mais peut-être que ce n'est pas les bonnes personnes. Mais sur ton chemin, ne te décourage pas parce que sur ton chemin, Dieu va assurément mettre les bonnes personnes qui vont t'aider, qui vont te propulser dans ta destinée. Alléluia. Quand tu as des déceptions, peut-être dans une affaire, ce n'est pas pour un problème. Peut-être que le Seigneur ne veut pas que tu sois dans cette affaire-là parce que cette affaire va encore t'emmener d'autres faillites. Mais sûrement, il va ouvrir une autre brèche pour toi, la brèche qui va te donner la bénédiction. J'ai toujours dit que le choix de Dieu est toujours le meilleur pour nous. Le choix de Dieu est toujours le meilleur pour nous. Il ne s'est jamais trompé dans ses choix. Ses choix sont toujours les meilleurs. Alléluia. Les choix de Dieu sont toujours les meilleurs. Alléluia. Alléluia. Donc ne permets pas, ne crois pas qu'il y a une force invisible qui va venir déterminer ta destinée. Parce que toi, ta destinée a déjà été déterminée à la croix de Golgotha. À la croix de Golgotha, tu as eu tous les bénéfices que tu dois avoir. Alléluia. 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 Si tu sais que tu es identifié en Christ, alors tu as le droit à la bénédiction. Parce que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Si tu sais que tu es identifié en Christ, alors tu as droit à la bénédiction. Refuse de croire, refuse d'accepter le malheur, refuse d'accepter que ta vie est une vie de déception. Parce que Jésus-Christ a déjà pris ta place à la croix. Alléluia, il a pris ta place à la croix. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons prier. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Nous allons prier, bien-aimés. Alléluia. Merci pour la croix. Merci Seigneur pour la croix. Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur pour la croix là où tu es? Est-ce que tu peux dire merci pour l'œuvre de la croix, pour les bénéfices qu'il t'a accordés à la croix? Et encore, ce que moi je t'ai donné, c'est peut-être une liste qui n'est pas exhaustive parce que Jésus a fait tellement beaucoup de choses pour nous à la croix. Mais est-ce que tu peux lui dire merci? Merci pour tout ce qu'il a fait. Alléluia. Est-ce que tu peux prier avec moi, dire merci pour l'œuvre de la croix? Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Merci Seigneur pour l'œuvre de la croix. Merci Seigneur car à la croix, nous avons bénéficié de la vie. Merci car à la croix, tu as fait l'échange divin. Seigneur, tu as pris ma place, Seigneur. Tu as pris ma place pour que moi, je sois restauré. Tu as pris ma place, Seigneur, pour que moi, je sois sauvé. Tu as été meurtri, Seigneur, pour que moi, je puisse bénéficier de la santé divine. Que je puisse bénéficier de la santé divine. Pas seulement de la guérison, mais de la santé divine, Seigneur. À la croix, Seigneur, tu as pris ma honte pour que moi, je ne connaisse plus jamais un sentiment de honte. À la croix, Seigneur, tu as été rejeté pour que moi, je ne connaisse plus jamais un sentiment de rejet. Que pour que cela, Seigneur, ne puisse plus prendre place dans ma vie.
Alléluia. Merci Seigneur pour l'œuvre de la croix. Parce qu'à la croix, tu m'as justifié. À la croix, Seigneur, tu m'as acquitté de mes péchés. Il n'y a plus rien qui me condamne. À la croix, tu m'as déclaré non coupable. Aujourd'hui, Seigneur, rien ne peut venir réclamer ma vie. Rien ne peut venir me condamner. Rien ne peut venir m'accuser. Car Seigneur, toi à la croix, tu as pris ma place pour que je sois libéré, pour que je sois sauvé, pour que je sois guéri. Alléluia. Pour que je sois, Seigneur, mon Dieu m'aura accepté par Dieu. Seigneur Jésus, merci pour l'œuvre de la croix. Sans la croix, je ne serais pas là. Sans la croix, je ne t'aurais pas connu. Sans la croix, Seigneur, je n'aurais pas hérité le salut. Sans la croix, Seigneur, je n'aurais pas eu la vie éternelle. Sans la croix, Seigneur, on ne m'aurait pas appelé enfant de Dieu. Sans la croix, Seigneur, je n'aurais pas connu les voies de Dieu. Merci pour la croix. Merci pour la croix. Merci car tu as pris ma honte. Merci car tu as pris ma place. Merci car tu as pris, Seigneur mon Dieu, mes péchés. Merci car tu as pris mon fardeau. Merci car tu as tout pris à la croix. Et à la croix, tu as dit, tout est accompli. Tu as tout accompli pour moi, Seigneur. Alléluia. À la croix, Seigneur, le châtiment qui me donne la paix est tombé sur toi, Seigneur, à la croix. Oh, la croix, Seigneur, est le lieu de ma délivrance. La croix est le lieu de mon salut. Merci pour cette croix. Merci pour cette croix. Merci, Seigneur, car tu t'es dépouillé pour que moi je sois revêtu. Merci, Seigneur, car tu as accepté, Seigneur, de mourir pour que je puisse bénéficier de la vie Zoé, pour que je puisse bénéficier de la vie divine. Merci, car tu as accepter de mourir à la croix pour que, Seigneur mon Dieu, je puisse bénéficier de ce salut, de ce salut qui est cher, Seigneur mon Dieu, mon roi, cher pour ma vie, cher pour mon âme, cher pour mon esprit. Oui, ce salut que je ne veux pas perdre, Seigneur. Merci pour la croix. Merci pour la croix. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, à la croix, la Bible dit, à la croix, alléluia, Jésus a été meurtri pour que toi, tu puisses bénéficier de la guérison. Pour que tu puisses bénéficier de la santé divine. Alléluia. Nous allons prier pour les gens qui sont malades ce soir. La Bible dit dans Jérémie 30. La Bible dit dans Jérémie 30. Mais je te guérirai. Je panserai tes plaies, dit l'Éternel. Car il t'appelle la repousser. Cette Sion dont nul ne prend souci. Mais je te guérirai. Mais je te guérirai. Je panserai tes plaies. L'Éternel est celui qui t'a guéri à la croix. Le Seigneur Jésus a pris tes maladies à la croix. Alléluia. La Bible dit aussi par David dans le psaume 107 à partir du verset 20 que il envoya sa parole et les guérit et les fit échapper de la fosse. Jésus est mort à la croix pour que toi, tu puisses bénéficier non pas seulement de la guérison, mais de la santé divine. La santé divine. Pour que tu puisses vivre la santé divine dans ta vie. Et que la maladie ne puisse pas prendre de place. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour ta parole. Merci Seigneur car tu es venu pour que nous soyons guéris. Alléluia. Bien-aimés, des fois, nous sommes malades parce que nous sommes incrédules. Des fois, nous subissons la maladie parce que nous avons des doutes. Des fois, nous ouvrons les portes nous-mêmes. Alléluia. Nous ouvrons des portes par nos pensées. Peut-être des pensées d'amertume. Peut-être l'orgueil, parce que la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Peut-être aussi par le péché, bien-aimé. Tu vas demander pardon. Tu vas dire à Dieu, pardonne-moi d'avoir ouvert la porte de mes pensées à l'amertume. D'avoir ouvert la porte de mes pensées au péché. Ou encore à l'orgueil. Ou peut-être à n'importe quel caractère que tu sais que qui ne glorifie pas le Saint-Esprit en toi. Et tu dis que tu renonces à ces choses au nom de Jésus. Alléluia. Demande pardon. Des fois, tu es tombé malade parce que tu as eu une vie où tu étais amer. Où tu as cru que Dieu t'a abandonné. Et la maladie aussi s'est installée en toi. La maladie est rentrée en toi. Alléluia. Demande pardon ce soir. Demande pardon. Alléluia. Seigneur, je te demande pardon ce soir. Je te demande pardon parce que j'ai ouvert ma porte. J'ai ouvert la porte de mes pensées à l'amertume. Je pensais que tu m'avais abandonné. Je pensais, Seigneur, que tout le monde m'avait oublié. Et même si tout le monde m'avait oublié, ce n'était pas un problème. Car toi, tu ne m'abandonnes pas. Alléluia. Pardonne mes pensées, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur, d'avoir ouvert la porte de mes pensées au péché. Cela a pu aussi faire entrer la maladie dans mon corps. Pardonne-moi, Seigneur,
d'avoir ouvert la porte de mes pensées à l'orgueil. Je pensais que rien ne pouvait m'arriver. Je comptais sur mes propres forces. Je comptais sur mes propres moyens. Je pensais que rien ne pouvait m'arriver. Rien de mal ne pouvait m'arriver. Je croyais en mes propres capacités. Je croyais en mes propres, en mon argent. Je croyais en ma capacité financière. Seigneur, je te demande pardon. La Bible dit que tu résistes aux orgueilleux et tu fais grâce aux humbles. Mais voici aujourd'hui malade, je te demande pardon. Et je reconnais que la santé, je ne peux pas l'acheter. Même si le médecin me soigne, mais c'est toi qui guéris, Seigneur. Je reconnais aujourd'hui que ma position sociale ne peut pas acheter ma santé. Je reconnais aujourd'hui que ma position ne peut pas acheter ma santé. Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon. Pardon pour l'amertume. Pardon pour l'amertume, Seigneur. À cause de l'amertume, j'ai des maladies psychosomatiques. J'ai des maladies psychologiques. J'ai des maladies qui viennent de mon mental. Parce que j'ai ouvert la porte à l'amertume. Je n'ai pas cru que toi, tu pouvais me guérir. Je ne t'ai pas confié ma vie correctement. Je pensais que je pouvais garder ma propre vie. Or, la Bible dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. Si l'Éternel ne garde la maison, ceux qui gardent, gardent en vain. Seigneur, il n'y a que toi qui peux garder ma vie. Je te demande pardon. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Alléluia. Pardonne-moi, Seigneur Jésus. Bien-aimé, maintenant, tu vas briser. Tu vas briser maintenant. Tu vas dire, je brise, je chasse et je rejette tout esprit de maladie dans mon corps au nom de Jésus. Tu dois refuser la maladie parce que Jésus-Christ est mort à la croix pour toi. Il a été meurtri pour que toi, tu sois guéri, pour que tu bénéficies de la santé divine. Alléluia. Tu dois briser ces choses. La parole que tu vas sortir ce soir, la déclaration que tu vas faire ce soir aura un effet. Il faut que tu aies aussi la foi de croire que ce que tu vas dire ce soir a un effet. Car la Bible dit, ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Ce que vous allez délier sur la terre sera aussi délié au ciel. Alléluia. Commence à briser dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Je brise Seigneur, je brise, je chasse et je rejette tout esprit de maladie dans mon corps au nom de Jésus. Je chasse, je rejette et je brise tout esprit de cancer qui voudrait s'installer dans mes os au nom de Jésus. Je brise tout esprit de cancer qui voudrait s'installer dans mes poumons au nom de Jésus. Brise cet esprit, c'est un esprit. Je brise cet esprit de cancer qui voudrait s'installer dans mon cœur dans le nom de Jésus. Je brise, je rejette et je chasse tout esprit de cancer qui voudrait s'installer dans mes reins au nom de Jésus. Car Jésus-Christ a pris ma place à la croix. Jésus-Christ a été meurtri pour que moi, je puisse bénéficier de la santé divine. Alléluia. Je brise tout esprit de maladie dans mon corps, quel que soit son nom, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Brise. Commence à briser toutes sortes de maladies que tu as dans ton corps. Commence à les briser. Si c'est le diabète, commence à briser. Alléluia. Je brise tout esprit d'hypertension dans mon corps, dans le nom puissant de Jésus. Je rejette toute infection dans mon corps, dans le nom puissant de Jésus. Je rejette, je chasse et je brise tout esprit de cancer qui voudrait s'installer dans mes os, dans mes reins, dans mon cœur, dans mon poumon, dans mon cerveau, dans n'importe quel organe de mon corps, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu vas aussi te lever. Tu vas dire maintenant, je me lève contre tout esprit responsable du diabète dans mon corps, dans le nom de Jésus. Je me lève contre tout esprit responsable de l'hypertension ou de l'hypotension dans mon corps, dans le nom de Jésus. Lève-toi contre tout esprit qui pourrait te ramener des crises cardiaques, des AVC, toutes sortes de maladies dans le nom puissant de Jésus. Lève-toi contre cet esprit dans le nom de Jésus. Commence à prier là où tu es. Aie seulement la foi. Vous savez, la Bible dit, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver qui que ce soit.
Alléluia. Ni son oreille trop dure pour entendre. La guérison divine est d'actualité. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Alléluia. La guérison divine est d'actualité aujourd'hui. Tu n'as pas besoin que je sois à côté de toi. Parce que c'est lui qui fait, ce n'est pas moi. C'est lui qui va te guérir. Alléluia. À la croix, il t'a donné droit. Il t'a donné le droit de bénéficier de la guérison divine. Alléluia. Alléluia. Prions. Alléluia. 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 Je me lève contre tout esprit responsable du diabète dans mon corps, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Je me lève maintenant, au nom de Jésus, contre tout esprit d'hypertension, contre tout esprit responsable de l'hypotension dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Je me lève contre tout esprit des crises cardiaques au nom de Jésus. Je me lève contre tout esprit responsable des AVC dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, il y a des personnes qui font des AVC, pourquoi? À cause d'un cumul d'amertume, d'un cumul de problèmes. Un esprit va venir leur mettre des problèmes, des déceptions. Et à force d'accumuler cela, et ça arrive, alléluia. Il y a des esprits derrière qui viennent pour pousser une personne à rentrer dans l'AVC. Tu vas dire, je me lève contre tout esprit responsable, alléluia, de crise cardiaque dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus. Et je rejette cela au nom puissant de Jésus. Commence à rejeter tout esprit qui est en train de se lever dans ta vie. Commence à rejeter. Si tu vois que dans ton corps, il y a des choses qui commencent à changer, tu commences à voir que tu commences à tomber malade. On ne sait pas trop, à l'hôpital, on te dit, peut-être que c'est tellement maladie, mais on n'est pas trop sûr. Commence à rejeter. N'accepte pas. Alléluia. Car Jésus a été meurtri à la croix pour que toi, tu puisses bénéficier de la santé divine. Alléluia. Il est mort à la croix pour que tu puisses bénéficier de la vie Zoé, la vie de Dieu, pour que tu puisses bénéficier de la respiration de Christ. Parce que tu as la respiration de Christ, tu as droit à la santé divine. Alléluia. Commence à te lever contre tous ces esprits, contre tout esprit responsable de migraines chroniques. Alléluia. Pourquoi est-ce que toi, enfant de Dieu, tu dois subir des migraines chroniques? Refuse cela au nom de Jésus, car cela n'est pas de Dieu. Alléluia. Cela n'est pas de Dieu. Cela n'est pas de Dieu. Tu vas te rendre compte que à chaque fois que tu veux te concentrer dans les choses de Dieu, la migraine vient. À chaque fois que tu veux te concentrer ou à prier ou à rentrer en jeûne et prière, la migraine vient. Ne t'habitue pas à ça. Ce n'est pas de Dieu. Ça doit être des démons. Refuse cela dans le nom de Jésus. Rejette cela au nom de Jésus. Dis, je me lève contre tout esprit responsable des migraines dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Vous savez, il y a des esprits aussi qui sont rentrés dans nos vies à cause du rejet. Parce que tu t'es senti rejeté. Tu t'es senti meurtri. Tu t'es senti abandonné. Et tu as ouvert la porte à un esprit qui est rentré. Tu vas maintenant chasser cet esprit. Tu vas dire, je chasse tout esprit qui est entré dans ma vie par le rejet au nom de Jésus. Oui, par le rejet des esprits qui rentrent. Vous allez voir qu'il y a des gens après qui deviennent même fermés, qui ne veulent pas s'ouvrir à d'autres personnes. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit de rejet qui était rentré en elles. Et donc, elles se sont toujours rejetées. Donc, elles ne veulent pas être avec les gens, elles se sont toujours rejetées. Quand elle est en public avec les gens, elle n'osera même pas dire un mot. Et ces esprits-là rentrent même dans la vie de nos enfants à l'école. Tu vas voir que l'enfant se sent rejeté, ne parle pas trop, l'enfant est toujours dans son coin. C'est un esprit. Lève-toi contre cet esprit et chasse-le maintenant au nom puissant de Jésus. Car Jésus a déjà pris le rejet à la croix. Toi, tu n'as plus à vivre un sentiment de rejet sur la terre. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Prions le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je chasse tout esprit qui est entré dans ma vie par le rejet au nom de Jésus. Je chasse et je me lève contre tout esprit qui est rentré par le rejet. Le rejet de la famille, le rejet des amis, les rejets des collègues, les rejets de voisins, les rejets des collègues de l'école, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Je chasse tout esprit qui est entré dans ma vie par le rejet au nom puissant de Jésus. Je chasse tout esprit qui est rentré dans ma vie par le rejet dans le nom puissant de Jésus. Tu peux le dire même 10 fois, tu dis la même chose. Je chasse tout esprit qui est entré dans ma vie par le rejet au nom de Jésus. Je chasse tout esprit qui est entré dans ma vie par le rejet au nom de Jésus. Je chasse tout esprit qui est entré dans ma vie par le rejet au nom de Jésus. Je chasse tout esprit qui est entré dans ma vie par le rejet au nom de Jésus. Alléluia. Des fois tu subis des choses à cause du rejet, mais tu ne te rends pas compte. Des fois tu subis des choses, il y a des esprits qui se sont logés dans ton corps à cause d'un sentiment de rejet. Peut-être que ton mari t'avait rejeté. Peut-être que tu es une femme, tu étais mariée, mais ton mari t'a rejetée. Et cela a fait en sorte que tu t'es sentie rejetée. Tu as commencé à avoir un sentiment de rejet.
Et à partir de là, d'autres esprits sont rentrés en toi. Alléluia. Et tu as ouvert la porte. Commence à rejeter cela dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Il y a des esprits aussi qui rentrent à cause de la sorcellerie. Tu vas dire, je chasse tout esprit qui est entré dans ma vie à cause de la sorcellerie au nom puissant de Jésus. Je chasse tout esprit qui est entré dans ma vie à cause de la sorcellerie au nom de Jésus. Des fois, tu peux être confronté à la sorcellerie, mais tu ne sais même pas. Ça peut être par des amis, ça peut être par la famille, ça peut être par des collègues de travail, ça peut être même par juste un simple élément, un simple quelque chose juste de la nature. Tu as touché, hop, c'est rentré en toi. Parce qu'il y avait des incantations qui étaient faites là. Ça peut être par n'importe quel objet qu'on peut te donner. Tu vas dire et tu vas refuser cela, tu vas chasser. Tu dis, je chasse tout esprit qui est entré dans ma vie à cause de la sorcellerie au nom puissant de Jésus. Je chasse tout esprit qui est entré dans ma vie à cause de la sorcellerie au nom de Jésus. Commence à chasser. Commence à chasser. Vous savez, je dirais même tu sais à une personne. Tu sais, si tu penses que tu fermes ta bouche et tu ne chasses pas, tu dis, c'est bon, je reste comme ça. Ils vont rester là, ils ne vont pas bouger. Je vais vous donner juste une illustration. Si vous avez un enfant, chez vous et l'enfant veut toucher à quelque chose, vous lui dites, ne touche pas. Tu dis, ne touche pas là. Oh, un tel, ne touche pas. Bébé, ne touche pas. L'enfant va toujours continuer à toucher. Parce que tu es tellement mou, tu es tellement molle. Ne touche pas, oh, ne touche pas. Mais quand tu vas commencer à grandir, tu dis, ne touche pas. Bizarrement, l'enfant ne va plus toucher. Pourquoi? Parce que l'ennemi entend la voix de l'autorité. Tu dois apprendre à prendre autorité et à chasser les démons dans ta vie. Tu dois apprendre à prendre autorité. Ne pense pas si tu dis seulement comme ça, c'est fini. Non, c'est exactement comme les enfants. Tu parles à un enfant avec une voix douce, il va pas t'écouter, il va continuer à faire. Mais quand tu hausses un peu le ton, tu prends autorité, tu vas voir que l'enfant va commencer à écouter. L'enfant va avoir peur, parce que l'enfant va se dire, si je touche là, ah, là peut-être que je vais avoir une fessée. Donc à un moment donné, tu dois prendre autorité. Tu dois prendre autorité contre tous les esprits qui ramènent les échecs dans ta vie, qui ramènent la frustration. Parce que Jésus a tout payé à la croix pour toi. Commence à déclarer les choses que Jésus a fait pour toi. Alléluia. Pourquoi est-ce que toi, tu dois toujours tout perdre? On vient toujours te dépouiller. Non, Jésus a été dépouillé une fois à la croix pour que toi, tu sois revêtu de gloire. Pourquoi est-ce que tu dois encore vivre le dépouillement? Pourquoi tu dois vivre les échecs? Pourquoi tu dois vivre les déceptions? Il a déjà fait ça à la croix pour toi. Commence à parler. Commence à parler sur ta vie. Commence à confesser sur ta vie. Commence à déclarer sur ta vie. Alléluia. Parce que Jésus à la croix nous a donné des bénéfices, ce que j'appelle des bénéfices. La croix de Jésus nous a ramené des bénéfices. Nous devons vivre la vie divine. Nous devons bénéficier de la vie de Dieu. Alléluia. Nous ne devons pas subir une vie de défaite, de déception. C'est pour ça que vous allez voir un homme de Dieu, une femme de Dieu, mais rempli de dettes comme pas possible. Ça, je refuse au nom de Jésus. Rempli de dettes comme pas possible. Et tu vas voir que tu n'es pas à l'aise. Même quand tu pries, oui, mais tu sens que ces dettes-là viennent toujours te réclamer aussi de temps en temps. C'est pas bon. Pourquoi est-ce que tu dois vivre une vie de dette? Car Jésus est mort à la croix pour que toi, tu puisses bénéficier d'une vie épanouie. Pour que tu puisses avoir une vie épanouie. Pour que tu puisses t'épanouir en Christ. Alléluia. Nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ Jésus. Tu es béni en Christ. Tu es béni en Christ. Tu dois bénéficier de la vie, Zoé. Tu dois bénéficier de ta vie. Tu dois vivre une vie épanouie sur la terre. Alléluia. Tu dois vivre une vie de gloire sur la terre. Alléluia. Tu dois vivre une vie, vraiment une vie épanouie en Christ. Oui, en Christ, une vie épanouie. Tu n'es pas appelé à être fatigué, pleurant, donc à chaque fois tu es toujours en train de ramer. Tout ce que tu fais, tu dois toujours ramer. Non, bien-aimé, non, non. Quand tu dis quelque chose, tu le fais. Quand tu penses à un projet, tu l'accomplis, tu le mets en place et ça marche. La procrastination n'est pas ta place. La procrastination n'est pas ta part. C'est pas tu penses, tu dis, ah, j'aimerais bien faire un projet, mais ça s'arrête juste dans ta pensée et ça s'arrête là. Le projet ne voit jamais le jour. Bien-aimé, non. Jésus a tout payé à la croix. Pourquoi est-ce que tu dois être dans une vie de procrastination? Où tu penses seulement, mais tu ne peux pas faire. Ou quand tu commences, il y a quelque chose qui viendra te décourager. Alléluia. Non. Refuse.
La Bible dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Quand tu commences, tu dois finir. En tant qu'enfant de Dieu, quand nous commençons, nous devons finir. Alléluia. Mais quand tu ne finis pas, à chaque fois que tu fais un projet, tu ne finis pas. Il y a un problème. Quand tu penses, tu dois accomplir. Alléluia. Ce que Dieu dit, sa main l'accomplit. Et toi qui as Christ en toi, quand tu penses et que tu dis quelque chose, tu dois aussi l'accomplir. Parce que tu es de la même nature que ton Dieu. Tu dois l'accomplir. Alléluia. Jésus a dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Tu ne dois pas accepter de subir une vie de défaite chronique à chaque fois. Non, 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 non. Refusons ces choses. Commence à prendre ta vie en main. En commençant par le spirituel. Car beaucoup de choses sont cachées dans le spirituel. Beaucoup de choses qui se manifestent dans ta vie, dans le physique ou dans la réalité, sont d'abord des œuvres spirituelles. Commence à régler le problème dans le spirituel. Alléluia. Commence à prier, commence à chasser, commence à te libérer des esprits méchants qui viennent combattre ta vie. Commence à te libérer de ça. Et pour ça, j'aimerais inviter tous ceux qui ne nous ont pas encore rejoints. Nous avons 40 jours de jeûne et aujourd'hui nous sommes à notre 22e jour. Il n'est pas trop tard, tu peux nous rejoindre. Tu peux nous rejoindre dans ce programme qui est en train de bénir beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes bénéficient de ce programme. Et je vous assure que le Seigneur nous fait énormément de bien. Rejoignez-nous. Il y a des personnes d'autres pays qui nous ont rejoints, qui sont très loin, qui nous ont rejoints. Mais vous, rejoignez-nous. Si toi tu es là, tu es en train de me regarder, tu es en train de m'écouter, je t'en prie et je t'assure, viens rejoindre ce programme de 40 jours de prière. Prophétique Prayer Walking, qui veut tout simplement dire marche de prière prophétique, où nous marchons en priant. Tu marches et tu pries, tu commences à déclarer sur ta vie. Le Seigneur est en train de faire des choses extraordinaires, il est en train de révéler des choses extraordinaires. Il va commencer à te révéler les choses que tu n'as jamais pensé. Peut-être que tu avais habité quelque part, mais spirituellement parlant, il y a quelque chose qui s'est passé là-bas. Il va commencer à te révéler parce qu'il nous révèle ça. Et il y en a qui sont en train de repartir même là où ils habitaient pour aller prier là-bas, pour aller briser la marche de prière prophétique. Et effectivement, ceux qui rejoignent ce programme sont des gens qui sont prophétiques. Ce sont des gens qui ont la foi. Ce sont des gens qui croient vraiment que le Saint-Esprit est à la base de ce programme. Et je vous assure, il fait du bien à énormément de personnes. Rejoignez-nous, rejoignez-nous. Je bénis le Seigneur pour toutes ces femmes, tous ces hommes qui font ce programme avec nous. Je bénis le Seigneur pour tous ceux qui sont loin, qui ne sont pas en France, mais qui ont rejoint ce programme et qui prient avec nous à 4h30 du matin et à 17h30. Je bénis le Seigneur pour toutes les personnes qui ont rejoint vraiment ce programme et qui le font avec sérieux, qui le font avec foi et qui croient que le Dieu de la tour de prière semeur est vraiment un Dieu qui agit dans les vies. Bien-aimés, rejoignez ce programme. Rejoignez ce programme. Vous ne serez pas déçus car le Saint-Esprit lui-même est en train de faire son œuvre. Car le Saint-Esprit est en train de faire son œuvre. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Que le Seigneur nous fasse voir sa gloire. Que le Seigneur nous fasse voir sa gloire. Alléluia. Que le Seigneur nous fasse voir sa gloire. Oui, Seigneur. Fais voir ta gloire à une personne. Je t'invite, bien-aimé, à nous rejoindre. Si tu peux mettre le programme, s'il te plaît. À nous rejoindre à 4h30 du matin. Tout à l'heure, à 4h30 du matin, nous aurons prière. Non, pas celui-là, l'autre bannière. Nous aurons prière à 4h30 du matin. Nous avons prière à 4h30 du matin. De 4h30 à 5h. Et nous avons prière de 17h30 à 18h. Tu as juste à téléphoner à ce numéro qui est là devant toi. Appelez à ce numéro au 09 72 61 93 80. Oh Jésus. Rejoins-nous dans ce programme. La régie, hein? Vraiment. Rejoins-nous dans ce programme. Tu ne seras pas déçu. 40 jours. Nous sommes au 22e jour. Et vraiment, il nous reste encore une vingtaine de jours. Viens nous rejoindre. Viens nous rejoindre, viens nous rejoindre. Rejoins le programme
de la tour de prière semeur. Et si tu veux suivre les prières avec nous, viens juste sur la chaîne YouTube aussi, qui s'appelle Tour de prière semeur. Là, c'est l'autre bannière. Tour de prière semeur. Tu tapes Tour de prière semeur, tu vas nous rejoindre sur YouTube et tu vas trouver des prières chaque jour. Des prières qui vont t'aider à prier, qui vont t'aider à te présenter devant le trône de Dieu. Et entre-temps, nous avons aussi les prières sur la ligne de prière. Et pour ceux qui ne le savent pas encore, après ces 40 jours, nous aurons une grande veillée de prière où tout le monde va venir et nous allons célébrer et adorer le Seigneur ensemble. À la fin de ces 40 jours, nous aurons une veillée de prière. Donc pour tous ceux qui veulent prendre déjà leur billet, ceux qui sont à l'étranger, je vais vous communiquer la date très bientôt. Vous aurez la date, comme ça vous pourrez venir. Et je vous assure que le Seigneur nous surprend tous les jours, tous les jours, tous les jours, parce que vraiment, il nous envoie ses enfants et nous bénissons, nous le bénissons pour cette œuvre, car il est en train de bénir beaucoup de vies à travers ce programme. Alléluia. Merci Jésus. Merci. Nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes arrivés à la fin. Malheureusement, je ne vois pas trop les commentaires, donc je ne sais pas qui est là. Que le Seigneur vous bénisse. Je bénis. Alléluia, merci de me donner le téléphone parce que je ne voyais pas. Je bénis ma sœur Cynthia, sois bénie. Je bénis Menunga, félicité. Je bénis Fleur Élisée, alléluia. Je bénis, oh ma sœur Khadija, sois bénie. Que le Seigneur te bénisse. En tout cas, je bénis chaque personne, toute personne qui s'est connectée à ce programme, que le Seigneur vous bénisse vraiment et qu'il se souvienne de vous. Et je bénis aussi mon époux, le pasteur bienvenu qui est à la régie, à la réalisation. Que le Seigneur te bénisse, parce que ce n'est pas évident. Quand on veut vraiment faire les choses bien, merci beaucoup, merci. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. Je bénis ma sœur Naomi, je te vois, sois bénie. Ma sœur Rose. Ma sœur Rose, je crois, sois bénie. Et je bénis aussi ma sœur Ozan à Réunion, sois bénie. Mon petit frère Vianney. En tout cas, toute personne qui a pris son temps pour suivre ce programme, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Continuons à tenir bon. Nous aurons prière tout à l'heure à 4h30 du matin. Vraiment, connectez-vous. Nous sommes vraiment nombreux. Hein. Vraiment, c'est... Je dis juste waouh, je ne savais pas qu'autant de personnes pouvaient se lever à 4h30 du matin pour prier, pour chercher la face de Dieu. C'est vraiment formidable. Que le Seigneur vous bénisse et je prie qu'on soit encore de plus en plus nombreux. S'il faut exploser la plateforme, on va l'exploser. Alléluia. Je bénis vraiment le Seigneur car vraiment, je vous assure, il y a du monde qui se connecte à ce programme. Alléluia. D'autres personnes regardent comme ça, ça ne leur dit rien. C'est que ce programme n'est pas fait pour eux. Mais pour les personnes pour lesquelles le Seigneur a prévu pour ce programme, en tout cas, il est en train de les envoyer et nous le bénissons abondamment. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais prier pour la fin et nous allons nous séparer. Nous nous retrouvons donc à 4h30 du matin tout à l'heure. Alléluia. Je prie pour la fin. Seigneur, merci, merci, ô Dieu de gloire, car tu nous fais toujours du bien. Merci. Parce que tu nous as encore fait du bien. Toi qui as été avec nous à 4h30 du matin, tu es avec nous à 17h30, tu es encore avec nous maintenant. Que toute la gloire te revienne. Cher Saint-Esprit, que la parole que nous avons entendue ce soir puisse trouver un cœur, une terre fertile, afin que cette parole puisse donner du fruit. Que cette parole que nous avons entendue puisse tomber sur une bonne terre, sur un bon cœur. Afin que les cœurs de pierre quittent, mais que les cœurs de chair prennent place. Et que, Seigneur, nous soyons libérés. Que nous soyons libérés par la vérité de ta parole. Seigneur, que réellement les bénéfices que tu nous as donnés à la croix puissent être des boucliers, Seigneur, contre tous les traits enflammés du malin contre nous. Alléluia. Que, Seigneur, les bénéfices que nous avons reçus à la croix puissent être un bouclier, puissent être des boucliers à chaque fois que l'ennemi viendra pour nous attaquer. Avec ces traits enflammés, avec ces mauvaises paroles, avec ces mauvaises pensées, que nous puissions, Seigneur, nous souvenir de ce que tu as fait à la croix et que nous puissions le mettre en fuite, Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Garde chaque personne et que ton sang couvre chaque personne.
Oui, Seigneur, que tes anges puissent faire ministère autour de chaque personne, Seigneur. Car la Bible me dit que l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui le craignent afin de les arracher du danger. Seigneur, merci car tu nous arraches du danger ce soir, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, car ceux qui étaient malades ce soir ont été guéris, je le crois, dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour ta parole, car ta parole nous fait toujours du bien. Oh, ta parole est tellement merveilleuse qu'on pourrait même passer toute la vie à parler de toi, à réfléchir sur ta parole, à chercher, à sonder, à pouvoir, Seigneur, à tirer les pépites de ta parole, à tirer les richesses, les trésors cachés dans ta parole, Seigneur. Merci, merci. Que toute la gloire te revienne dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Si vous avez été béni, dites juste béni, 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 béni pour la fin. Béni, 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 béni. En tout cas, Je serai ravie. Dites juste béni, 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 béni. Oh, sois béni, mon papa, Paul Kamanda, mon papa. Sois béni, homme de Dieu. Alléluia. Ça, c'est mon père. Alléluia. Alléluia. Juste béni, béni, béni. Si vous avez vraiment été béni, dites juste béni, béni. Et je vous assure que la veillée de prière que nous allons faire, waouh, je la sens déjà puissante, car il y en a qui veulent déjà prendre des billets. Dites, maman, on prend les billets, on vient. Je dis, non, c'est pas encore le moment. Attendez un tout petit peu. Je vous donne la date. Donc, ça sera, waouh, je le crois. Il y aura une atmosphère d'adoration terrible, je le crois. Et je le sais, je le vois dans mon esprit. Donc, ça sera puissant. Si vous avez été béni, juste béni, béni, béni. Oh, oui, Vin, sois béni, à partir de l'Irlande. Oh, sois béni. Khadija, sois béni. Merci, Seigneur, merci. Merci, Jésus, merci, merci, merci. Nyango Emma, maman Albertine, sois béni. Alléluia, amen, amen, amen. Amen, amen, alléluia. Soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Je vais devoir vous laisser. Voilà ma sœur Rosalie. Rosalie, Rosalie. Sois bénie. Sois bénie. Excuse-moi, je cherchais ton nom. Ma sœur Rosalie, sois bénie. Sois bénie. Que le Seigneur te bénisse. Et il va te faire énormément de bien. Sois bénie. Alléluia. Je vous attends à 4h30 du matin. Ça sera chaud. Ça sera chaud, chaud, chaud. Je vous assure. Alléluia. Ça sera chaud. Donc venez, venez à 4h30 du matin, 4h30 du matin, 4h30 du matin, tout à l'heure. Alléluia. Alléluia. Oui, je vais donner, Khadija, l'adresse et la date, je vais donner, ça arrive. Pour la veillée de prière, oui, je veux te voir ici, en France. Oui, oui, oui. Alléluia. Alléluia. Oh si, j'ai failli oublier, il y en a qui donnent leurs offrandes déjà. Pour, si tu sens dans ton cœur que par rapport au programme, tu veux donner une offrande, tu vas juste sur YouTube, il y a un lien. Juste sous les vidéos, il y a un lien où on a écrit « Faites un don ou faites une offrande ». Donc, nous allons bien recevoir votre offrande parce que les offrandes, on les reçoit et on reçoit les noms des personnes qui font leurs offrandes. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Vous cliquez sur le lien et vous pourrez faire votre offrande à la tour de prière semeur. Donc, pour ceux qui n'ont pas fait leur offrande, si vous voulez, ce n'est pas une obligation. Si vous sentez le Saint-Esprit vous pousser à le faire, n'hésitez pas, faites-le. Ça va aussi vous ouvrir des portes, je vous assure, car il y a aussi un mystère qui est caché dans les offrandes. Vous pouvez donner. Il y en a qui donnent déjà, il y a beaucoup de personnes qui donnent déjà. Si vous voulez aussi les rejoindre, les offrandes, rejoindre vraiment ce programme en scellant ou encore en donnant une offrande, vous pouvez le faire. À partir de YouTube, vous pouvez le faire. Si vous voulez lever un autel, c'est libre à vous de le faire, ce n'est pas une obligation. C'est vraiment pas une obligation. Mais vous devez le faire avec la conviction du Saint-Esprit. Si vous êtes convaincu, faites-le. Nous sommes vraiment surpris de voir toutes les personnes qui donnent leurs offrandes. Que le Seigneur vous bénisse et à très très bientôt. J'ai du mal à vous laisser. Mon mari va lancer un petit générique. Ça sera la fin. Soyez bénis, soyez bénis. Je vous aime dans l'amour du Seigneur. Je vous aime de tout mon cœur. Nous vous aimons. Soyez bénis. Alléluia.